coup-ci, je crois qu'on est en panne. Et ben, c'est reparti alors, du coup. 45 minutes. Mécano, génial. Ouais, super sympa. La panne, 4 minutes 30 en découverte. Pensez une batterie, démarreur, alternateur. Eh ben non, un câble oxydé. C'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Regarde, tu vois. Et voilà. Tu vois le truc, mon copain. Eh ben écoute, ça fout la merde sur ton trajet des vacances. Alors ça ne t'arrive pas pendant la saison, mais ça t'arrive quand tu pars. Elle n'est pas belle, la vie. Ah, t'as vu, je te laisse. Garage comment? Garage ramé. Alors, garage ramé à Saint-Maxent. À Oisemont. Où ça? Oisemont. À Oisemont. Désolé. Moi, c'est pour dire. Je vais remettre un quand je serai posé. C'est quasiment la première grosse panne pour être. Petite frayeur et voilà, c'est reparti. Les vacances ne tiennent qu'à une vis parfois. Prenons la direction de la Normandie pour notre premier spot. Escargot avale désormais les kilomètres sans aucun problème. Nous sommes ravis. Nous nous posons en Normandie, à la Croisille, à la ferme du Bourg. Un site riche en histoire, la légende raconte que Richard Cœur de Lion y a séjourné. Domaine d'un ancien seigneur reconnaissable à son pigeonnier. Nous reprenons la route au petit matin en direction de Clermont-Créant sur le site Les Belles Ouvrières. Escargot traverse les villages et nous profitons du décor.
après avoir roulé plusieurs heures, une petite randonnée pour se dégourdir les jambes s'imposait. Passons dire bonjour aux amis et ensuite direction la mer. La suite sur une future vidéo. En attendant, nous vous disons à bientôt.